Ça commence par un coup de fil de, 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 de Raoul, euh, immédiatement suivi d'un coup de fil de Noël Gaudin. Euh, Raoul, Raoul avait publié un, un excellent petit livre qui s'appelle L'histoire des involtes et du surréalisme, qu'il avait signé d'un pseudonyme euh, Jules François Dupuis. Merci. Chez, chez un éditeur qui s'appelait Paul Vermont. Et le, le directeur de collection de Paul Vermont qui avait publié ce livre de, de Raoul et quelques autres petites choses euh, était un, un excellent et fort intelligent et fort brillant garçon qui s'appelait euh, Jean-Claude H. Et lorsque les éditions Vermont ont, ont fait très rapidement euh, faillite, euh, il s'est retrouvé. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement comment. Le, je ne sais pas si je l'ai su d'ailleurs. Enfin bref, le monsieur Henri Verrier, le patron des éditions Verrier, qui sortait surtout des, 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 livres, euh, des livres sur le cinéma, euh, qui était également à la tête d'un véritable empire de, de solderie. Il achetait des bouquins euh, toujours, chez, chez, chez les des, 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 des invendus, chez les éditeurs, qu'il le, qui le revendait. Et une échelle de soldeurs il avait lui-même des, des, des magasins de solde un pittoresque pittoresque magouilleur et, et il a l'idée de sortir une collection de, de livres de cul euh, à bon marché donc écrit rapidement mal payé aux auteurs mais pff, ils peuvent répondre on sera pas. Ce sera pas trop exigeant sur la sur la qualité, et ça sera vendu pas cher dans les euh, essentiellement dans les kiosques de, de gare, euh, quand les gens euh, prennent le train en deux heures à tuer, ils achètent un petit bouquin. Euh, ça leur fait juste à la longueur, euh, le temps du voyage, c'est parfait. Euh, alors des trucs pas trop, pas trop porno parce que euh, parce ne qu faut pas que ça soit censuré, il ne faut, euh, faut pas qu'on ait honte d'acheter ça dans les... Dans les gares et de le lire dans le train euh, devant les autres voyageurs, mais quand même assez, assez poussé. Hein. Après avoir reçu ce coup de fil de, de Raoul euh, et le même coup de fil de, de, de Noël, me disant, voilà, je vais recevoir un coup de fil de Raoul. Oui, je sais, j'ai reçu le même. Euh, j'ai téléphoné à Jean-Claude H, que j'ai rencontré, nous sommes euh, aussitôt très bien entendus. Il ne pouvait pas nous prendre un... Enfin, si D'ailleurs, il était d'accord. Au début, j'ai travaillé au rythme d'un bouquin par mois. Enfin, il, a, il, avait, il avait, un ou deux autres copains qui étaient, qui avaient mis également sur le coup. Euh, et bon, mais c'est parti comme ça. Alors, au, au début, ouais, euh, pendant, pendant, peu de temps, parce que c'est quand même du boulot. Puis j'avais, je faisais pas que ça, effectivement. J'ai réussi à tenir le, le, le rythme d'un livre par mois, mais euh, c'était quand même assez, assez épuisant. Donc ensuite, j'ai j'ai davantage à se passer. Euh, Raoul, euh, Raoul n'a pas, pas tout de suite euh, n'est pas tout de suite passé à l'acte. Il a attendu un certain temps pour euh, pour proposer un livre puis un deuxième. Euh, qui ne sont pas tout à fait des, à part entière des livres de lui, semble-t-il. C'est sa petite amie, sa compagne de l'époque, Marie-France Blanex, qui a, qui a écrit le premier. Qu'il euh, qu a quand même euh, relu, euh, corrigé. Et, et puis le deuxième, euh, le deuxième est quand même beaucoup plus de lui. Euh, d'elle je ne sais pas dans quelle mesure elle y a, elle y a, euh, elle y a même collaboré mais euh, enfin bon Raoul, euh, Raoul, en a officiellement euh, fait deux puisque c'est lui qui a signé les ouais. qui avait signé les contrats j'aime bien euh, j'aime bien euh, le frankenstein ouais. qui en fait la, 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 la <laughs> L'adaptation d'un scénario que j'avais écrit pour le cinéma qui a failli être tourné, qui n'a pas pu euh, se tourner, donc j'ai récupéré et, et adapté en roman, dont je suis assez, je suis assez content d'abord, parce que ça me, à cause de cette histoire-là, ça a failli être en film. Et puis je me suis un petit peu plus défoncé euh, au niveau d'écriture sur ce bouquin-là. Pas assez d'ailleurs, il y a quand même des, des, des trucs très. Donc, il aurait fallu retravailler, j'avais pas le temps. Euh, oui, mais j'en suis, j'en suis celui-là. Enfin, euh, j'en suis pas mécontent. Et il y en a un autre qui est, qui est sans doute raté, mais qui aurait pu être, qui aurait dû être le plus réussi, qui, qui me plaît bien quand même, c'est euh, l'audio tout-puissant. Ah oui, voilà. Ouais. Ah bah oui, c'est un bon. L'audio <laughs> tout-puissant. Mais quand je l'ai commencé, je ne pas du tout où j'allais. Euh, je... Il y en a un ou deux comme ça que je n'avais pas, euh... pas, pas d'idée. J'avais un bouquin, euh, je voulais l'avoir terminé, j'aurais déjà lu le rendre, je vais commencer euh, à peine. Euh... Il y en a un que j'ai écrit comme ça, en, sans, sans scénario préétabli, mais ça se, ça se sent quand on le lit. Parce Il y a des, des grosses fautes de construction, de, mais de, 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 de logique, d'emboîtement. Je crois que c'est effusions démente. J'aime bien le titre. Par contre, euh, où euh, je me dis, j'avais aucune idée et c'est pressé, c'est pressé, c'est pressé. J'aurais déjà dû rendre le, le, le tapus Il faut que, je, faut que je trouve une idée. Faut que je me lance. Il faut, faut que j'ai une affaire qui démarre sur les chapeaux de roue. Et j'ai écrit, l'affaire démarrait sur les chapeaux de roue », Point. Donc il y a une bagnole qui arrive sur les chapeaux de roue et puis puis s'enclenche comme ça. Je n'avais aucun plan euh, préétabli, aucune aucun synopsis euh, que dalle, quoi C'est venu euh, c'est venu en route et, et, et l'audio tout, tout puissant. J'avais une, une, une mini idée mais pas de pas d'histoire non plus. Le mini idée était était marrante était assez forte pour mériter d'être mieux traité, la pauvre. Il y, y a un mec qui est, qui est un, un parfait mécréant, euh, qui un jour s'aperçoit que merde, Dieu existe, c'est lui. Ah, ça, ça, ça aurait pu être une idée. Enfin c'était une idée, pas parce que de moi, mais a priori formidable, que j'ai quand même gâché parce qu'il fallait bomber. <laughs> ce qui a été mode. Voilà, Il ne euh, faut pas, pas avoir de fausse modestie quand je, quand je lis la, 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 la quasi-totalité des, des, des collections équivalentes à cela. Euh, C'est quand même la seule qui surnage depuis, euh, depuis la glorieuse époque du, du, du trotteur, de, 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 des, des collections où écrivaient euh, Claude Ferny, euh, mmh. Georges Orwell, euh, etc. C est, c est... Je trouve qu'elle est, je trouve qu'elle est singulière. Je trouve qu'elle a, euh, je trouve qu'elle a un ton, euh, qu'elle se, qu'elle rompt complètement, est en rupture absolue avec, euh, avec toute la littérature de consommation de son époque. Euh, je, je, trouve qu'elle est un phénomène intéressant. Donc, je ne m'étonne pas qu'on s'y intéresse. <laughs> voilà. Gérard ça sorti du scala où il venait de se faire cirer les enfilés pendant trois séances consécutives, et se retrouva sur le boulevard de Strasbourg à l'instant précis où la pluie se mettait à dégringoler. Une pluie fine, dru et frisquette, qui n'était pas faite pour lui remonter le moral.